Salut tout le monde, on est le 29 juillet, vendredi, il est 8h, on est à San Francisco et là on s'apprête à partir à Los Angeles pour le week-end. Première fois qu'on va y aller donc ça va être cool. Je suis avec Maëlle mais je suis aussi avec sa sœur, sa petite sœur qui nous a rendu visite en France et son copain Erwan. On en a pour 5-6 heures de route là pour arriver jusqu'à LA donc on espère pouvoir passer quand même la petite fin d'après-midi là-bas histoire de commencer à visiter vite fait parce que LA c'est tellement grand, en 2 jours et demi on n'aura pas le temps de faire grand-chose finalement. Donc j'y vais hein. Bon, il est 13h là, on va s'arrêter manger et on voulait justement s'arrêter ici. C'est un In-N-Out, c'est là. La chaîne de fast-food californienne qui est super connue. Dès que les gens viennent en Californie, généralement ils vont s'arrêter au In-N-Out. Les burgers sont pas mal, sont bien meilleurs que le McDo. Il fait super chaud, putain de merde. C'est un truc de malade. Heureusement qu'on a la clim, parce que sinon ce serait marrant. Ouais, les Américains, c'est des malades. Regardez-moi ces caravanes qu'ils ont. Avec leurs énormes pick-up, ils se prennent des caravanes qui n'ont plus aucun intérêt, puisque c'est des maisons en fait. C'est énorme. Et ils ont aussi des énormes... des énormes camping-cars et ils traquent leur voiture derrière, leur pick-up derrière. Comme ça, ils amènent leur maison où ils veulent et après, ils ont leur voiture. C'est des malades. Ou leur bateau. Ou leur bateau, ouais, ou des fois les deux. On est trop fou. Franchement, tu trouves pas trop chaud. C'est qui qui a mis le thermostat là? Moi, j'aimerais que tu fasses un chaud, mais moins chaud quand même. Non, il fera moins chaud, elle est chaud. On va Je vais reculer par contre un peu. Ouais, vas-y. Ça sent bon. Bon, du coup, au In-N-Out, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a en gros hamburger, cheeseburger et le double. Mais par contre, ils ont un menu caché qui s'appelle Animal Style dans lequel ils rajoutent une petite sauce fromage oignon là qui est excellente. Moi, j'ai pris ça du coup. Mais la clim à 3 au lieu d'être 2. T'as vu, c'est le double Animal Style. Bah, on peut être 2 biftecs là. Ouais. T'aurais voulu. Bah, normalement, il y a un pun. Franchement, c'est meilleur qu'un Big Mac quand même. Ah ouais? Moi, ouais, je trouve avec le Animal Style là, putain. Les ingrédients sont un peu plus frais aussi. Ouais, qu'à c'est McDo. Énorme. C'est mais carrément. Ouais. Alors, il est bon? Il est bon. Bon, ça y est, il est 16h30, on est enfin à Los Angeles. La route était un peu longue, mais c'est bien passé. Mais on n'est pas vraiment dans Los Angeles, là, vu qu'Hollywood est sur la route, ce soir on dort à Santa Monica. On s'est dit qu'on allait d'abord s'arrêter à Hollywood histoire de ne pas perdre de temps et de faire. Là, c'est un peu l'incontournable, même si c'est pas le truc qui me fait rêver personnellement. Et puis après, on va faire une virée vers Beverly Hills, je pense, vu qu'on dort pas loin non plus ce soir. Dommage, avec que les pieds quoi.
Bon, on va reprendre la voiture là, on va continuer notre chemin vers là où on va dormir ce soir à Santa Monica. Et sur la route, il y a Beverly's, donc on va aller s'arrêter là-bas, ça va nous faire gagner du temps. Là, Hollywood, c'était quand même beaucoup de monde, beaucoup de magasins. C'est un peu le genre d'ambiance dans lequel j'aime pas rester trop longtemps. On est resté une demi-heure, une petite heure, et là, on va continuer vers Beverly's. Ça devrait être plus tranquille, j'espère. On a posé la voiture histoire de se balader quand même un petit peu à pied dans le quartier. C'est super agréable. Pour le coup, là, il n'y a personne. C'est pas un mythe, quoi. Toutes les maisons sont magnifiques. Ça déborde de thunes. Des caisses de malades dans tous les sens. Ce qui est cool, c'est que chaque maison est différente à son style. Il y a des maisons modernes, des trucs un peu plus à l'ancienne et tout. Super joli. Avec les trottoirs à l'américaine, avec la bordure de gazon et tout. Toute parfaite. Ça, ceux qui ont vu Breaking Bad doivent reconnaître, c'est je pense une maison qui est toute fermée pour un traitement chimique sûrement contre des insectes ou quoi. Je crois qu'ils utilisent ça comme couverture dans Breaking Bad. Off the floor, let me bump. Hopefully don't cut. Don't fuck with y'all. Sprite paint the walls with blood and whatever. Drag you outside, let you rot in the weather. I don't think I can explain any better. I'm scared from the terror and live for the lesson. Là on est monté un peu dans le quartier, on sent qu'on passe au niveau dessus, parce qu'on voit même plus les maisons en fait, on voit que des énormes barrières. Et on devine les énormes baraques derrière. Des parkings souterrains quoi. Ouais. Au calme. Ah, je vais descendre moi. Oh là 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 là. Danger dans notre. Ah ouais. On s'en fout, tu sais. Vas-y. Bon, y a moyen peut-être d'avoir une vue super stylée là. On va voir si on peut. Passé, hein. Bon, normalement on n'a pas le droit d'entrer, mais Aaron il a pas envie d'écouter les gens. Bam. Là, je me rends compte en fait que Los Angeles c'est vraiment gigantesque. Et du coup, j'imagine que les tours qu'on aperçoit là-bas, c'est le centre. Mais il y a plusieurs petits hubs qui doivent être le centre d'autres villes. Peut-être que là-bas, c'est Santa Monica. Et je sais pas en fait. C'est tellement étendu sur les nerfs. Et en plus, là, c'est assez brumeux. On voit pas super loin. Normalement, je crois que c'est entouré par les montagnes. C'est un truc de malade. Là, d'ici, c'est super stylé parce qu'on est au-dessus de Beverly Hills. On voit toutes les grosses villas, les piscines et tout. Bon là on vient juste checker vite fait au Airbnb, on va poser nos affaires, après on va vite aller à la plage avant que le soleil se couche et on mangera dans le coin je pense. 4, ouais, 4, 1, 2, 3, 4. Allez, des colis, tiens, tu veux des colis gratos? On a une salle de bain, nous? Ouais. Ah, stylé! Ça, c'est cool. Ah ouais, une petite binouse là, le soir. C'est bien. Ah bah oui, on est derrière là. Ah, c'est bon dehors. Oh, les gens qui vivent dans les toits là-haut. Je l'aimerais pas. Thank you.
vas du coup à la plage de Santa Monica, c'est pas la plus connue de Los Angeles, la plus connue c'est Venice Beach, celle où il y a le gros skatepark, les mecs qui font de la muscu et tout. Là malheureusement on est arrivé trop tard, il fait nuit, mais on va aller en manger un bout là-bas. Mais elle a vraiment la gueule de la plage californienne, avec l'énorme plage des palmiers, le ponton avec les attractions et tout, c'est vraiment stylé.